tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, et tu es bon, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh oui, mon roi, et tu es bon. Éternel des armées, tu es bon. Jésus le Sauveur, tu es bon, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh oui, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, et tu es bon. Éternel des armées, tu es bon, papa. Tu es bon pour moi, tu es bon. J'étais malade, tu es bon. Tu m'as guéri, tu es bon. Je t'ai perdu, tu es bon, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous voulons t'adorer, eh oui, adorer ton Saint-Nom, tu es bon. Jésus, mon roi, eh, tu es bon, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh oui, mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Mon Sauveur Jésus, tu es bon, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh oui, mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, mon roi, et tu es bon. Jésus, mon berger, tu es bon, Jésus. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ma famille, tu es bon. Jésus, mon Sauveur, tu es bon, papa. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh oui, mon roi, tu es bon. Éternel des armées, tu es bon. Jésus, le Sauveur, tu es bon, mon roi. Tu es bon pour nous, tu es bon. Nous voulons t'exalter et exalter ton Saint-Nom et tu es bon. Honorer ton Saint-Nom, tu es bon mon roi. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour ma famille, il est bon pour toi. Shalom à toi ce matin. Good morning, salam alaikum, alléluia. À tous ceux qui sont fidèles à ce temps de prière, que l'Éternel des armées vous bénisse. Que le Dieu que je sers vous arrose dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là encore pour une nouvelle journée de la création de notre Dieu. J'aime toujours vous dire que voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Nous sommes là encore pour prier. Alléluia. Ce matin, tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas ouvrir dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 18, 19, 20 et 21. Nous allons faire des prières avec ce temps. Alléluia. Je vous ai dit que c'est la prière qui déplace les montagnes. Un enfant de Dieu qui prie ne peut pas être une proie de l'ennemi. Un chrétien qui prie ne peut pas être la nourriture de Satan. Alléluia. Et l'arme que Dieu nous a donnée, c'est l'arme de la prière. Nous devons prier. Prier sans cesse, partout où tu es, prie. Partout où tu peux te trouver, dans ta douche, dans ta voiture, au marché. La prière d'un chrétien, c'est à tout moment tu peux prier. Nous n'avons pas besoin de protocole pour la prière. Alléluia. Parce que notre Dieu est partout, il entend tout ce que nous lui disons. Alléluia. Et je vous ai aussi dit, je veux vous encourager par rapport à ça. Consacrez vos matinées à l'Éternel des armées. Amen. Libère ton petit déjeuner pour Dieu. Vide ton ventre pour recevoir quelque chose. Seigneur, ma matinée est à toi. Je donne ma matinée, je la consacre à toi. Quand tu as un sacrifice de ta part. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Si tu as ta Bible, tu ouvres 1 Roi. Chapitre 3, à partir du verset 18, je vais lire la parole, la merveilleuse parole de Dieu pour vous. On dit, trois jours après, cette femme est accouchée aussi. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y a que nous deux. Le verset 19, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui.
Le verset 20 dit, « Elle s'est réveillée au milieu de la nuit. Il a pris son fils à côté, à mes côtés. Il a pris mon fils à mes côtés. Tandis que ta servante dormait, elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. » Des choses qui ont été échangées dans ta vie. Pendant que tu es en train de dormir, l'ennemi est venu prendre. La Bible dit que pendant que les hommes sont en train de dormir, l'ennemi est venu semer des choses dans notre vie. Ce matin, toute mauvaise semence de l'ennemi dans ta vie, tu vas les déraciner. Le livre de Matthieu nous dit que toute plante qui a été plantée, qui n'a pas été plantée par l'Éternel des armées, sera déracinée. Tu dis, Père, ce matin, au nom puissant de Jésus, je déracine dans ma vie toute semence, toute plante, oui Seigneur, venant de mes ancêtres, qui a duré, qui a fatigué les membres de nos familles, ce matin, dans le nom de Jésus, je les déracine. Père, je les déracine. Je les déracine au nom de Jésus. Je les déracine par la puissance du sang de Jésus. Je déracine les sémences maléfiques, les sémences démoniaques, les sémences de la sorcellerie dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille. Je les déracine ce matin au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a échangé dans ma vie, pendant que j'étais dans un moment de turbulence, l'ennemi est venu voler des choses dans ma vie. Tout ce qui a été volé. Cette femme dit que pendant qu'elle était en train de dormir, l'autre femme est venue faire l'échange. Tout ce qui a été échangé dans ta vie, les potentiels qui ont été enlevés, les dons qui étaient enlevés en toi. Ce matin, Seigneur, je détruis cela par la puissance du sang de Jésus. Et je réclame, je les récupère ce matin. Dis, Père, je récupère. Tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, je récupère ma santé, je récupère mes projets, je récupère mon entreprise, je récupère la vie de mes enfants, je récupère mon foyer. Ton foyer est mélangé. Tu dis, Seigneur, ce matin, je me tiens dans le sang de Jésus. Tout esprit maléfique venant du monde des ténèbres pour mettre la confusion dans mon foyer, ce matin, je te mets un arrêt. Au nom de Jésus, je te mets un arrêt dans le nom, dans la vie de mes enfants. Je mets un arrêt à ton œuvre. Au nom de Jésus, tu ne peux pas opérer encore. Ton temps est terminé. Trop, c'est trop. Ce matin, je me lève contre toi dans le nom puissant de Jésus. Je t'anéantis. Je détruis tes œuvres. Je brise ta puissance dans ma vie. Toute influence que tu as dans ma vie, je l'ai détruit ce matin. Tout ce que tu m'as volé, je l'ai récupéré ce matin. La Bible dit que quand un voleur est attrapé, il va retourner au centuple. Il va rembourser au centuple. Satan, ce matin, tout ce que tu as volé dans ma vie, la joie que tu m'as volée, les relations que tu m'as volées, je les récupère. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons attaquer le domaine de finances. Il y a certains d'entre vous qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de me regarder. Dieu vous bénit financièrement. Mais quand tu reçois l'argent, l'ennemi de gaspillage, l'esprit de gaspillage vient s'accrocher à toi. Au lieu que tu ne payes un salon pour mettre dans ta maison, tu t'en vas payer de la nourriture ou tu t'en vas payer les habits que tu ne peux même pas porter. Alléluia. Surtout nous les femmes. Ce matin, tu vas prendre autorité. Seigneur, cet ennemi qui vient voler mon argent, gaspiller mon argent, Satan, ce matin, tu m'entends. Je prends autorité sur toi. Je détruis ta puissance sur ma vie, au nom de Jésus. Je brise ta force, au nom de Jésus. Esprit de gaspillage maléfique, esprit de gaspillage démoniaque, tu sors de ma vie, au nom de Jésus. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Toi, esprit de gaspillage, ce matin, je t'appelle par ton nom. Le nom de Jésus a été élevé au-dessus de toi. La Bible dit qu'à la mention de ce nom, tous genoux dans les cieux, sur la terre et sous la terre, doivent fléchir. Tu fléchis genoux ce matin. Tu sors de ma vie au nom de Jésus. Nous revenons encore sur ce passage de 1 Roi, chapitre 3. Tout ce que l'ennemi a volé, les finances qui a été volée dans ta vie, alléluia. C'est un voleur. Quand tu l'attrapes, il faut l'étrangler. Ce matin, nous t'étranglons au nom de Jésus. Tout ce que tu as volé dans nos vies, les mariages qui sont gâtés, les enfants qui sont gaspillés, ce matin, toi, voleur, nous te détruisons par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Hey, Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus, tu vas maintenant prendre autorité. Cette grossesse que tu prends à chaque fois que tu es enceinte, un mois et demi, paf, la grossesse est partie. C'est un voleur qui vient voler la semence. Tu n'as pas d'autorité sur moi. Je suis le temple de Dieu. Ma bénédiction ne va pas être volée par toi. Alors ce matin, je viens contre toi. Esprit d'avortement physique, esprit d'avortement spirituel, je t'anéantis par la puissance du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous revenons encore. Toute alliance démoniaque cachée dans ma vie, toute alliance démoniaque cachée dans ma vie. Seigneur, tu connais les domaines où c'est caché. Ce matin, par la puissance du sang de Jésus et dans le nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité, je viens contre toi, alliance. Je t'anéantis, je te brise dans tous les domaines de ma vie. Au nom puissant de Jésus, recommande ta journée dans la main de Dieu. Seigneur, je recommande ma journée à toi. Je remets ma journée entre tes mains. Père, je déclare que je suis une source de bénédiction. La grâce de Dieu abonde sur ma vie. La faveur de Dieu abonde sur moi. Je suis une bénédiction. Je ne suis pas une malédiction. Au nom de Jésus, partout où je vais apparaître, la solution va apparaître. L'Éternel des armées, tu me donnes des aides de destinée en cette journée. Que mes aides de destinée viennent m'assister dans le nom de Jésus. Que les aides de destinée viennent m'assister. J'appelle mes aides de destinée, oui Seigneur, à l'existence. Des personnes que Dieu a commandées, des personnes que Dieu a ordonnées de venir m'assister. Financièrement, je vous appelle au nom de Jésus. Financièrement, je vous appelle à l'existence. Localisez-moi en cette journée et soyez une bénédiction pour ma vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, roi des rois. Sois béni ce matin, notre Dieu et notre roi. Papa, nous bénissons la nation. Je bénis cette nation, le Sénégal. Je bénis le monde entier. Je bénis partout où se trouvent nos frères et nos sœurs sur cette planète Terre. Nous les bénissons de la bénédiction de l'Éternel. Que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction de Jacob soit notre portion au nom de Jésus. Que l'Éternel nous élargisse au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu rayonne sur nous. Que la main de Dieu combat là où il doit combattre pour nous. Que l'Éternel crée le chemin là où il n'y en a pas. Au nom puissant de Dieu, que ton aller et que ton retour soient bénis par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous te disons merci. Le Dieu de miracles, manifeste-toi. Dieu de miracles, quelqu'un va dire, oh mon Père est mon Dieu, mon Seigneur est mon Dieu. Ce matin, je t'appelle Dieu de miracles. J'ai besoin de te viens opérer un miracle extraordinaire dans ma vie en ce mois de juin. Je demande un miracle, Seigneur. Viens opérer le miracle. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Nous t'appelons au nom de Jésus. Dieu de miracles, nous t'appelons. Le Dieu des merveilles, le Dieu des grandes choses, nous t'appelons. Viens, Saint-Esprit. Viens, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous nous remettons sous ta couverture. Que notre vie soit cachée en toi. Comme ta parole le dit, ma vie est cachée en Jésus et celle de Jésus est cachée en Dieu. Satan, si tu as le pouvoir de toucher la vie de Jésus, tu peux nous toucher. Mais nous savons que tu n'as pas ce pouvoir. Alors, ce matin, nous remettons nos vies dans la main de Dieu. Seigneur, fais-nous du bien. Papa, manifeste ta gloire dans nos vies. Bénis-nous, Seigneur, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons le gouvernement. Nous bénissons chaque gouvernement, Seigneur. Nous bénissons les chefs d'État en Afrique. Nous bénissons, Seigneur mon Dieu, les époux des chefs d'État en Afrique. Nous bénissons les hommes de Dieu en Afrique. Nous, spécialement dans cette nation au Sénégal, je bénis les hommes de Dieu. Je bénis les servants de Dieu. Je bénis, Seigneur mon Dieu, le corps de Christ dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, que l'Église devienne une voix au Sénégal. Papa, suscite des voix. Suscite des personnes qui vont être des voix dans cette nation pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons. Parce que Satan, tu n'as pas notre vie entre tes mains. Nous déclarons que notre vie est entre les mains de Jésus. Et Jésus va manifester sa gloire. Que le nom de Dieu soit glorifié. Papa, nous t'avons prié ce matin dans le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.
Soyez bénis. Excellente journée à vous. À nous revoir encore demain matin pour notre temps de prière. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Christ vous aime. Je vous aime, mais Jésus vous aime plus. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis. Excellente journée à vous. Amen.